visage bouffi, main aux couleurs étranges et qui s'agrippe à sa chaise et à son bureau. Ces derniers mois, les signes allant dans le sens de l'hypothèse d'un Vladimir Poutine gravement malade se sont multipliés. Une hypothèse appuyée cette fois par un agent des services de défense et de renseignement du Danemark, interrogé par nos confrères allemands de Berlin. Surnommé Joachim, cet agent danois confirme que Vladimir Poutine souffrirait d'un cancer. Selon les informations de Joachim, les douleurs induites par la maladie et son lourd traitement expliquent la manie de Vladimir Poutine de s'agripper aux objets qui l'entourent. Il souffre de douleurs chroniques depuis un moment désormais, estime Joachim dans les colonnes de Berlin. Si est-il à cause de cela qu'il a tendance à s'asseoir et à s'agripper fermement aux choses, pour apaiser ses douleurs. Vladimir Poutine a 70 ans, retour sur son évolution physique en imagé. Vladimir Poutine a-t-il toute sa tête? Mais les informations des renseignements danois révélées par Joachim ne s'arrêtent pas là. Selon cette source anonyme, Vladimir Poutine serait soumis à un traitement hormonal pour le soigner. Un traitement qui altérerait son raisonnement, et pourrait expliquer la volonté de l'autocrate russe d'envahir l'Ukraine. Les délires de grandeur sont un des effets secondaires du type de traitement hormonal qu'il suit, estime ainsi Joachim auprès de Berlin. Ce n'est pas quelque chose dont je suis certain. Mais je pense que cela a affecté ses décisions quand il a lancé la guerre en Ukraine. Si la maladie de Vladimir Poutine et son lourd traitement brouillent les pensées de Vladimir Poutine, il y a peu de chances que la guerre en Ukraine arrive bientôt à son terme. En effet, l'agent des services de renseignement danois estime qu'il y a peu de chances que l'autocrate russe succombe à sa maladie. Crédit photo, Itartas.